la base aérienne militaire de Meiringen est unique à tous égards. Je suis le lieutenant-colonel Peter Merz, le commandant du commandement de la base aérienne de Meiringen. Meiringen est la base aérienne militaire la plus moderne de Suisse. Sa situation géographique est idéale sur le plan stratégique. Elle se trouve au fond de la vallée du Haslital, protégée tout autour par des montagnes élevées. Dans le milieu de l'aviation, elle est mondialement reconnue comme une base aérienne de montagne spectaculaire et exigeante du point de vue technique. Les forces aériennes suisses assurent le service de vol en collaboration avec d'autres organisations de la Confédération, telles que la base logistique de l'armée, BLA, Arma Suisse, la base d'aide au commandement de l'armée, BAC, la gestion technique des bâtiments, TGM, la sécurité de la navigation aérienne, SkyGuide. En outre, nous dirigeons également depuis Meiringen le service du transport aérien de la base aérienne voisine de Bern-Belpmoos. À la cantine, nous sommes tous soignés aux petits oignons par les collaborateurs de SV Service. Comme vous le voyez, notre base aérienne militaire est un lieu où l'on travaille en équipe et à un niveau technologique des plus élevés. Elle est desservie par 230 professionnels provenant de tous les horizons professionnels possibles. Meiringen est le point d'appui de l'escadrille d'aviation 11, appelée l'escadrille Tiger, et de ses pilotes professionnels de FA-18, ainsi que des pilotes de milice de l'escadrille d'aviation 8. Mon état-major et moi-même garantissons que nos pilotes disposent d'un environnement de travail optimal. Étant moi-même pilote professionnel à l'escadrille 11, je sais exactement combien de petites choses doivent jouer au sol afin que nos jeunes puissent apporter leur contribution à la sécurité de l'espace aérien. Mon travail m'amène souvent à m'éloigner de la base aérienne et à me rendre dans les communes environnantes. J'essaie, dans la mesure du possible, d'y harmoniser les désirs civils et régionaux de nos voisins avec mon mandat militaire de portée nationale. C'est sûr, la base aérienne militaire ne procure pas seulement des avantages, elle suscite parfois aussi la colère. Je suis Catherine Negeli-Lutti, présidente de la commune de Hasliberg. Le tourisme est l'une des plus importantes sources de revenus de notre commune. Notre région de Haslital est une destination très prisée dans l'Oberland bernois. Paysages de montagnes intactes, nature sauvage, destination attractive pour des excursions et activités sportives complètes, pour toute la famille et pendant toute l'année. Mais il y a toujours des réclamations en raison du bruit des avions. On entend très bien les avions de partout, et ils dérangent. Des avions de combat dans le paysage idyllique des Alpes, est-ce compatible? Pas toujours. Mais la base aérienne militaire est l'un des plus importants employeurs et centres de formation de notre région. Nous devons donc rechercher le contact avec elle. Il a ainsi été convenu, par exemple, que les avions décollent et atterrissent pendant les heures de travail, mais pas pendant la pause de midi et le week-end, et que les vols sont suspendus pendant plusieurs semaines en été. Il n'est absolument pas difficile d'en discuter avec le personnel de la base aérienne militaire qui vient volontiers à notre rencontre lorsqu'il le peut. Pendant mon travail à temps partiel dans un magasin de sport, je rencontre quotidiennement des gens qui travaillent sur la base aérienne. Nos propres concitoyens, voisins, parents et amis y sont occupés. Notre région et notre base aérienne militaire forment toujours un tout. Ah, voici le jeune Adrien. Demandez-lui donc où il va travailler. «
35 candidats de mon âge ont postulé pour 6 places d'apprentissage offertes à la base aérienne. Et ils m'ont pris. Hey, je suis Adrian Glarner, apprenti polymécanicien à l'atelier d'apprentissage du TGM de la base aérienne militaire de Meiringen. Je suis en quatrième et dernière année d'apprentissage professionnel. J'ai appris ici à travailler sur toutes les machines-outils et à exécuter les mandats de manière autonome. Cette partie ici sera un galet de roulement pour un téléphérique de la région. Dans la vallée, il n'y a pas suffisamment d'établissements d'apprentissage. Le meilleur d'entre eux est la base aérienne militaire. Pour moi et pour plus de 30 autres apprentis, elle représente, sur le plan professionnel, une ouverture sur le monde. Mon apprentissage professionnel répond à tous les standards fédéraux et est pleinement reconnu dans toute l'industrie. Même d'autres établissements d'apprentissage de la région envoient leurs apprentis chez nous pour effectuer une partie de leur formation. Parce que nous sommes les mieux équipés. J'ai toujours été fasciné par l'aviation. Les petits composants que je construirai peut-être un jour permettront à un jet de voler. Peu importe ce que les gens disent, je trouve fantastique que nous ayons cette base aérienne, ici, dans la vallée. J'ai jeté ici à Meiringen les bases essentielles de mon avenir professionnel. Qui sait ? Je resterai peut-être ici, même plus longtemps que ma période d'apprentissage. Je connais des mécaniciens sur avion qui ont commencé de la même manière. Je travaille déjà depuis 20 ans pour les forces aériennes suisses, les 10 dernières années ici à Meiringen. Je suis Urs Lichti, chef de groupe et mécanicien sur avion à la base aérienne de Meiringen. J'ai d'abord appris le métier de mécanicien sur automobile, et ensuite, j'ai suivi un cours de reconversion aux forces aériennes dans le domaine des avions de combat modernes. Aujourd'hui, je suis responsable, avec mes deux mécaniciens sur avion, des deux jets FA-18 de l'escadrille d'aviation 11 et chargé de la maintenance complète et du contrôle du fonctionnement de l'avion. Je ne peux malheureusement pas vous montrer comment et où nous effectuons ces opérations. C'est ici, dans cette caverne creusée dans la montagne, que les jets sont stationnés et que nous procédons à leur maintenance. Le niveau de sécurité est très élevé. Il est absolument interdit de prendre des photos ou de filmer. Vous n'avez pas le droit d'y entrer. Désolé. Le McDonnell Douglas FA-18 Hornet, soit dit en passant, est l'avion de combat le plus moderne, le plus rapide et le plus polyvalent des forces aériennes suisses. Nous l'utilisons pour assurer la sécurité de l'espace aérien et comme avion intercepteur. J'aime bien mon travail. Il est très exigeant. Il comprend une foule de détails techniques que nous devons toujours réapprendre et de nombreux cours de perfectionnement en Suisse et à l'étranger. Cela est également indispensable, car aucun jet ne décolle ici tant que je ne suis pas complètement satisfait de son état. Les forces aériennes suisses sont la seule organisation au monde dans laquelle un pilote n'effectue aucune tournée de contrôle avant le décollage, parce qu'il a pleinement confiance en son équipe au sol. Meiringen est une base aérienne d'un genre spécial, où nous autres pilotes nous amusons beaucoup. L'étroite vallée, des conditions météorologiques extrêmement variables, des vents imprévisibles, des turbulences. Celui qui atterrit ici doit être vraiment calé. Je suis Rodolfo Freiburghaus, pilote professionnel au sein de l'escadrille 11. Dans les airs, notre escadrille exerce toutes les formations et toutes les manœuvres dont nous avons besoin en cas de défense du pays. Nous côtoyons toujours nos limites et nous accumulons sans cesse de nouvelles expériences. Nous sommes chahutés, dans tous les sens, non seulement par les forces d'accélération en vol, mais aussi par nos collègues, nos instructeurs au sol. Chaque détail est scrupuleusement analysé, optimisé et testé une nouvelle fois lors de la prochaine mission. Maintes et maintes fois jusqu'à ce que ça joue.
je dois être en bonne forme physique et résistant sur le plan psychologique, afin de faire face à des situations extrêmes. Le travail quotidien d'un pilote de jet ne consiste pas seulement à s'exercer. On passe volontiers sur les heures interminables consacrées à rédiger des rapports de mission et des documents techniques. Allô, le bureau ? Mes collègues et moi-même, nous nous préparons à une éventualité qui ne s'est plus présentée depuis 200 ans. À savoir, une attaque de notre pays par des forces armées étrangères. Nous devons toutefois être prêts en cas d'attaque imminente. C'est de cela seulement qu'il s'agit. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la base aérienne de Meiringen. Si vous voulez, je suis l'œil, la voix et la mémoire de la base aérienne. Je m'appelle Franz Blatter et je fais partie de l'état-major du commandement de la base aérienne de Meiringen. En tant que photographe interne, je documente chaque détail, depuis les radars placés au bord de la piste jusqu'aux véhicules spéciaux exotiques stationnés au garage. Je gère les archives de la base aérienne et conserve son histoire et ses traditions remontant à plusieurs décennies. La base aérienne militaire de Meiringen a été construite en 1939. L'emplacement de l'Aslital dans les Alpes bernoises offrait une protection excellente contre des attaques ennemies. La base aérienne de Meiringen a vécu depuis tous les progrès de l'aviation et s'est adaptée au gré des changements. En 2003, les anciennes cavernes ont été agrandies pour pouvoir accueillir les FA-18. Aujourd'hui, Meiringen est avec Payern et Sion, l'une des trois bases aériennes de jets militaires de Suisse. En plus de mon travail d'archiviste et de photographe, je suis aussi chef du service sanitaire d'exploitation. Toutefois, je consacre la plupart de mon temps de travail aux visites. Plus de 3000 curieux nous rendent visite chaque année et c'est toujours une grande joie pour moi de leur expliquer ce que nous faisons ici. Classes d'école, passionnés d'aviation, habitants de la région, ainsi que touristes suisses et étrangers, les visiteurs sont de plus en plus nombreux chaque année. Dans la région touristique de l'Aslital, notre base aérienne militaire de Meiringen est ainsi devenue également une attraction touristique. Venez nous voir quand vous voulez, nous vous souhaitons d'ores et déjà une cordiale bienvenue.